Les gens, c'est Drake Survie. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Alors, ça fait un moment qu'on n'avait pas fait ça. Alors, je sais, hier, il y a déjà eu une vidéo sur Fortnite, et aujourd'hui, il y en a une autre. Mais aujourd'hui, on va pas aller en solo ou quoi que ce soit. Ça fait un moment que j'avais fait ça, et je l'avais fait pendant la saison Avengers de Fortnite. J'étais parti en labo de combat, et puis je vous cherchais un peu qui pouvait être fait, par exemple en défi, en récupération, par exemple d'objets, les XP, les trucs comme ça. Et hier soir, je suis allé là en labo de combat et j'ai regardé un peu à droite à gauche, ce qu'on pouvait faire en labo de combat. Et j'ai remarqué une chose. Donc, comme vous le voyez, je suis en labo de combat. Je vais lancer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à mettre la cloche. Ça fait toujours plaisir. Donc, vous faites créer un labo. Vous allez sur l'île principale, comme d'habitude. Sauf que, alors, je ne suis pas sûr parce que j'en ai pas récupéré et on va voir ça ensemble. Mais il y a les effluves, donc les trucs d'aliens, les bocaux violets qu'on peut récupérer. Et je me suis dit, autant le faire en vidéo, voir si ça marche, si clairement, si on peut récupérer ces trucs-là, parce que clairement, pour ceux et celles qui sont en retard et qui ne peuvent pas récupérer ça pour le moment, et qui veulent, préfèrent faire un truc. Alors attendez, par contre, on va faire retour à l'accueil, je vais me TP un peu plus près. Je vais aller à Misty, alors attendez, je vais me mettre avec la cape. Donc direction Misty, et alors il y en a un, alors je vais vous faire ceux que moi j'ai pas encore récupéré, mais par exemple pour ceux et celles qui par exemple n'ont pas récupéré un truc de flux, il y en a un là, j'en ai un là moi que j'ai pas encore récupéré, donc on va aller le chercher. Et donc il y a les points, comme vous le voyez, il y a les points qui s'affichent. Et donc, voilà, on descend. Donc, comme vous le voyez, il est là. Hein. Je ne triche pas ou quoi que ce soit. Il est bien là. Donc, je vais faire ça. Et non, il faut aller en solo. Alors, je voulais voir si vraiment on pouvait le faire. Parce que clairement, ça m'étonnait parce que je fais assez vite. Parce que au début, je l'avais pas remarqué, mais celui du dessus, je l'ai déjà récupéré. Alors, c'est pas mal parce que, au moins, si par exemple, vous voulez vous faire une petite vidéo et puis par exemple présenter les emplacements, alors moi je vais pas le faire parce que ça serait trop long, mais c'est vrai que ça peut être sympa de venir, de regarder et de faire 2-3 petites choses. Alors, on va faire un autre truc, on va regarder si. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore récupéré les personnages par exemple Superman ou les trucs comme ça. Alors par exemple à Destiny Dog vous pouvez trouver Batman. Donc on va aller voir si Batman y est. Donc allez hop. Donc Batman est au bout du quai là, juste là. Et Batman y est. Donc après moi je l'ai déjà, mais pour ceux et celles qui ne l'ont pas, allez le voir. Voilà, donc il vous file les bandages, les machins. Vous pouvez... je sais pas si on peut... Attendez. Ouais non. Non non, on peut que en solo, mais ça peut être sympa. Ça peut être sympa si par exemple vous n'avez pas encore découvert certains personnages. Surtout que maintenant il y a les bornes à mission, comme vous voyez là, qui sont plutôt pas mal parce que clairement moi j'en ai une. Alors attendez, j'ai volé une soucoupe volant. Bon, normalement elle est où? Donc quand vous avez la borne, il n'y a pas de temps, mais quand vous avez un personnage, il y a un temps. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les penches. C'est vrai qu'il... J'étais en train de me dire, c'est bizarre pourquoi les soucoupes s'énervent. Donc voilà, ça peut être sympa.
Ça peut être sympa. Alors, petite vidéo très courte, mais au moins vous pouvez savoir que, au moins, si par exemple vous cherchez les trucs d'aliens ou des trucs comme ça, ce qui peut être pas mal, c'est qu'au moins vous allez là en labo de combat, vous cherchez, et puis dans ces quotas-là, vous essayez de vous dire, tiens, il y en a un là, il y en a un là, tiens, celui-là, je l'ai pas, tiens, hop. Alors, je pense que même si vous les avez récupérés, là, je vais vous montrer, moi, en solo, là où on est allé en premier temps. Je sais que je l'ai pas, que je l'ai pas. Donc c'est pour ça que j'étais allé en premier lieu. Mais c'est vrai que j'étais pas allé voir. Alors attendez, c'est quoi ça? Ah oui, c'est vrai. Donc on va aller voir vite fait. On va aller voir vite fait. Donc on en avait vu un à la station spatiale. Alors moi je les appelle les stations spatiales, mais c'est pas des stations spatiales. Mais on en avait vu un au-dessus. Alors normalement il est au niveau de la parabole. Pour ceux et celles qui seraient intéressés à savoir. Donc on en avait vu un. Merde, je suis loin. Normalement il y en avait un ici, donc au niveau de la parabole. Et il y en a un ici, on va aller voir tout de suite. Je devrais peut-être aller à la parabole avant, parce que je sais qu'à la parabole, normalement, j'ai déjà récupéré. Ça fait loin. Ça fait loin. Alors par contre, moi, je suis un peu dégoûté de Superman, parce que j'aurais bien voulu qu'ils aient une animation, un truc où Superman arrive. Et c'est vrai que ben oh bah dis donc, il y en a déjà qui sont déjà morts au fusil à pompe. Donc normalement on les voit, on voit les trucs violets. Et comme vous le voyez déjà, il y en a pas mal où on passe là, il y en a pas tant que ça pour moi. Parce que j'en ai déjà récupéré pas mal. Alors je sais que moi j'en ai un ici et j'en ai un ici. Mais le truc c'est que, donc comme vous le voyez, ah, si, bah, je l'ai pas récupéré celui-là là. Bah, je le vois pas. Je le vois pas. Je l'ai pas vu. Par contre, celui du bas, normalement, je l'ai pas récupéré. Parce que là où il y a les points d'interrogation, c'est là où il y a les trucs violets. Donc vous avez pas à vous inquiéter sur ça. Mais c'est quoi ça? Là par exemple le point d'interrogation a disparu. Mais ça peut être pas mal pour savoir, mais je pense que... On va faire une game. Je vous dois bien ça. Clairement le labo de combat il était bien, mais... Par contre il y a un truc qui m'intrigue. C'est quoi qui brille hein? Ah. Ça par contre c'est pas mal, les PNJ qu'ils ont rajouté pour faire avoir de l'élixir, c'est pas mal. Vraiment pas mal. On va pas traîner là.
ce qui serait bien. Alors par contre, ce qui m'étonne, c'est que cette station, normalement, je passe souvent là. Et le truc, c'est que... Alors pareil, pour les personnages, je sais pas si ça les compte ou quoi. Hein. En labo de combat, je vous le dis clairement, je sais pas si ça les compte. Je sais que pour aller pêcher, ça compte toujours. Mais par exemple, pour tout ce qui est... voilà, comme vous l'avez vu pour les élixirs de machin ou les trucs comme ça, ça marche pas. Mais clairement, voilà, vous pouvez tout bonnement... Alors, attendez... Où je l'aurais oublié celui-là. Ah bah oui, il est là. Ok. Autant pour moi, je... Autant pour moi, je l'avais pas pris. Ok, bon. Ben, les points que vous avez encore, c'est les points que vous pouvez récupérer en fait. Que vous avez pas encore récupéré. Ah, la musique sexy là. Au moins vous aurez eu deux vidéos Fortnite d'affilée. Habituellement je le fais pas ça, mais là c'est vrai qu'en ce moment je suis vraiment à court d'idées, j'ai pas... balance la potion devant lui quoi. Oh merde, j'ai pas vu la zone. C'est pareil, il y en a un là-haut que j'ai toujours pas récupéré. Ça je savais que je l'avais pas récupéré, celui de là-haut, mais je vais pas aller loin, hein. j'ai pas récupéré grand chose. Avant tout, c'était juste pour vous montrer un peu là où il y a les élixirs, et clairement un peu débouté. Moi je les appelle les élixirs, mais c'est pas vraiment des élixirs. Gentil de votre part, hein, ce que vous avez fait les gars. Vous avez vu le rapace là? L'autre, il a voulu se quitter. Je l'ai quitté. Cliqué. Non, bon. Alors, attendez. J'ai qu'un kill. Bon, c'était avant tout, c'était pour vous montrer un peu les machins, les trucs. Mais c'est vrai que il n'y a pas tant de changements que ça. C'est vrai qu'en labo de combat, à l'époque, on pouvait faire tellement de choses. Il y avait certaines quêtes, on pouvait les faire en labo de combat. Certaines choses, on pouvait vraiment les faire. On pouvait les faire sans avoir de soucis. Maintenant, c'est un peu compliqué.
3 kills, top 17. Bref, ça va. Je suis pas. Bon, on les remarque, hein, les bots. Hein. Mais bon. Les joueurs restent toujours un peu sur votre game, sur votre partie quand. Quand vous jouez à cache-cache ou des trucs comme ça. Oh. Une vache. Ça c'est gratuit ça par contre. Je vous le dis tout de suite hein. Ce qui est bien avec une poule, c'est que ça vous attaque pas. Il y avait un sniper, l'autre, mais cochon. Bon, bah tant pis. C'est un peu pété quand même les aliens, moi je trouve. Je dis ça, je dis rien, parce que clairement... Il est où celui qui m'a snipé? Putain, t'es bien armé à couper.
Ouais. Top 3. On charge tout. Voilà. Oh non. Je me doutais qu'il allait chercher le... Ah ouais, mais... Abruti. Il était coincé contre la zone, ce chien. Voilà, top 1, voilà, c'est fait. C'est fait. Voilà. Bon, bah, tout compte fait, labo de combat, on s'est fait un petit tapo, top 1. Pas mal, pas mal. Pas mal, pas mal. J'espère que ça aura pas trop lag. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à mettre la cloche. Dites-moi si vous voulez que j'essaye de trouver d'autres choses en labo de combat qui pourraient être sympas. Mais le truc, c'est que, comme je vous dis, le labo de combat, si par exemple vous ne trouvez pas ou quoi que ce soit, il y a toujours les poissons qui peuvent être intéressants. Et puis bah après, pour avoir les trucs de. Des aliens qui peuvent être faites pas mal, c'est d'aller directement en duo ou en solo, en duo, trio, section. Mais après, le truc, c'est que vous pouvez pas en solo en avoir, donc c'est un peu dommage. Même que c'est même un peu, je trouve que c'est même dommage de pas pouvoir avoir des trucs comme ça sur en solo. Donc voilà. Passez une bonne soirée, merci encore. Donc n'hésitez pas à aller en labo de combat, essayer de trouver 2-3 trucs, même pour vos poissons, si vous voulez finir les poissons, les trucs comme ça peut être toujours intéressant. Et voilà. Merci encore et à la prochaine les gens, c'est Drake Survie. Peace.